Momo, si tu veux pas que je te trucide. C'est son manteau d'hiver. Bon, ben, je vais ouvrir un par un. Bon, je vais commencer par ouvrir celui-ci. Ah, je crois que c'est celui que je connais. Il y a trois trucs que je connais, dont un, c'est en fait, c'est de l'encre avec les pinceaux, mais pour de la calligraphie. Bui, c'est une plateforme, c'est un proxy japonais. En fait, c'est pour ceux qui ne peuvent pas acheter au Japon, parce que voilà, les Japonais, ils livrent pas, ils vendent pas et ils livrent pas, pas tous aux étrangers. Donc le Bui, c'est en fait, c'est un intermédiaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc tous les produits viennent du Japon, ou ça peut venir d'autres pays, ça peut venir des autres pays, de Chine et tout ça. J'adore les surprises. Ça, je pense que c'est les pinceaux. Oh putain, le scotch, il date de Mathusalem. Ah, ça sent le vieux. Je pense que c'est les pinceaux. Ah, c'est les pinceaux. Non, c'est les pinceaux. Clément, il a acheté des pinceaux. Parce qu'en fait, j'ai des pinceaux, mais de très mauvaise qualité, là, de premier prix. Et en fait, il voulait m'acheter un set de pinceaux. Quand même de très bonne qualité, et en fait il voulait m'acheter un set de pinceaux, et ça aussi je l'avais vu, et j'ai remarqué qu'en fait c'était tous de la même taille, et lui il me dit non c'est pas la même taille, mais en fait si, c'est de la marque Sakura. Ça va faire au moins 10 vies d'artistes, enfin je sais pas. J'aime bien parce qu'ils sont longs en plus. Ça sent le cheval. Ah ouais, j'aime bien, et en plus il est long. Ça c'est quoi? Ah mais ça c'est à toi, c'est ah c'est pour moi. Ah c'est Doro et Doro. Mais je me rappelle plus. C'est pas Kai? C'est qui? Je me rappelle plus, je suis désolée. On va garder ça. Et toi t'auras Ibisu, mais ça c'est... Ah, c'est... comment il s'appelle? Le champignon Mais si. Non. Ah merde, je me rappelle plus. C'est un anime que j'ai beaucoup aimé, mais le problème c'est que j'ai une très mauvaise mémoire. Et moi, il est bien, hein. Oh, il est trop bien fait, on voit les yeux à l'intérieur et tout, quoi. Je sais pas si on le voit. Attends, je vais leur montrer. Mais je me rappelle plus, putain. C'est pas Eneru. C'est qui? Mais oui, mais dis-moi c'est qui. Regardez, on voit bien les yeux. Ils voient bien les yeux. C'est fou, on voit bien les yeux et tout. C'est qui encore? Mais il est chiant parce qu'il veut que... J'ai un sérieux problème de mémoire. Et il veut que je travaille mon cerveau, mais je me rappelle vraiment plus. Je vois plus du tout. Je vois plus du tout. Et c'est son personnage préféré. Oh oui, si. Non, comment elle s'appelle? Bon, je vais retrouver et puis je vais vous mettre Je vais mettre écrit quelque part là. Mais oui, c'est en effet, c'est un personnage féminin que j'aime beaucoup parce qu'elle est... Elle est droite. Et en plus, ouais, je l'aime beaucoup. Ah, ça aussi, je l'avais vu, c'est des enveloppes Studio Ghibli. Ah, c'est Ponyo. D'ailleurs, j'ai fini mon tableau de Ponyo. Ah non, c'est pas des enveloppes, c'est des... Ah, des cartes postales avec timbré déjà. Oh, c'est cool. C'est trop beau. Je sais pas si vous voyez là, et regardez, c'est une carte postale déjà timbrée.
Mais je sais pas si ça, si ça fonctionne. Bah, c'est sûr que je vais pas l'utiliser et envoyer là. C'est pour moi, mais. Oh yes, Sasuke est Ponyo, il est trop mignon. Ponyo et ses petites soeurs, elles sont trop mignonnes. Je l'aime trop. Ponyo et ses petites soeurs. C'est trop beau, c'est trop joli. Et le papa de Ponyo qui part à la recherche sur le petit bateau. C'est trop joli. C'est trop joli. Mais si, mais c'est à toi, Julie. C'est un truc. Oh, c'est Balloon. C'est la boule. Je l'appelle Balloon. Mais dans One Piece, je l'aime trop. Je sais que je dois paraître bizarre d'aimer ce personnage, mais j'aime trop. Oh, oh, il est trop mignon. Hein? Ben ça sent rien. Oui, il a l'air, il s'en fout, c'est tout ça là qui l'intéresse. Il est trop trop bon, merci chérie. Et voilà. Un problème moi avec YouTube, c'est que j'arrive pas à être moi-même devant la caméra. Et là, comme c'est des surprises, ben je me laisse un petit peu aller, je me lâche un peu. Et je pense que ça fait du bien à la chaîne que je puisse être moi-même. Oui, j'ai déjà vu. Ouh, le royaume des chats. Ah non, c'est Marie. Non, c'est Marie. Je l'ai pas vu encore, Marie. C'est pour ça. Ah si, je l'ai vu. Excusez. Ah putain, j'ai vraiment un problème de mémoire. Oh, c'est trop cool. Regardez. Puis à l'intérieur, c'est comme ça. Et là, il y a... Pour mettre une... Il y a Mimo qui aime bien aussi. C'est tout doux. Regardez, c'est Marie. Je sais pas si vous voyez Marie. C'est aussi du studio Ghibli, Marie? Non, hein, c'est pas le studio Ghibli, c'est... C'est quel studio? Ah, Ponoc, oui, c'est les... Ben, en fait, c'est pas le studio Ghibli, mais c'est... Ouais, les anciens du studio Ghibli qui voulaient faire leur propre projet, donc ils ont ouvert... c'est pour ça que moi, je pensais que c'était studio Ghibli, parce que ça ressemble aux animes... Studio Ghibli. Ça c'est un bento, un lunchbox. Tikuyon elle se met comme ça. Des fois elle, quand son papa Clément est allongé, elle se met comme ça sur lui. Et je dis toujours qu'elle attend son bento. Parce qu'on dirait qu'elle est comme sur un comptoir et qu'elle attend comme ça. C'est trop joli, c'est un bento, une lunchbox Totoro. Tout est certifié, vous voyez. Studio Ghibli, tu peux voir si à la caméra ça il voit bien. C'est trop joli. J'ai fait une aquarelle justement sur l'anime de Totoro, puis ça avait beaucoup plu parce que j'essaye de mettre sur des groupes Facebook, sur Reddit aussi. Enfin, c'est Clément qui le fait. On le découvre. Ouais, les petites baguettes et tout. Bon, j'aime quand les baguettes sont plus longues là, mais et ça, je pense que c'est un truc pour. Puis ensuite, hop là, il y a un petit. De toute façon, maintenant tout le monde connaît hein, les lunchbox comme ça. Ouais. Ça, ah oui, ça c'est pour mettre, je pense, le bento pour qu'il tienne là. En plastique, hein. C'est pas en métal ou... Ouais, c'est ça. Des compartiments. Ouais, c'est en hermétique. Puis vous voyez, c'est bien... Et ça, c'est les petites serviettes pour s'essuyer les mains. Totoro, mais ça, non, je ferais pas essuyer les mains. C'est trop joli. C'est trop, trop, trop joli. Regardez. C'est vraiment trop beau.
Oh punaise, l'autre elle est encore plus magnifique. Ah, il est plus long aussi. Ah ok, ça c'est plus pour visage. Mon dieu qu'il est beau. Il est beau hein. Oh, il est trop beau. En plus c'est vraiment de la bonne qualité. C'est comment on dit ça, comme de la, pas de la broderie là, mais c'est cousu là. C'est vraiment trop joli. C'est doux aussi. Bizarre. Ah, il y a des petits chemoulis, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais clairement pas m'en servir. C'est juste un élément de décoration pour moi. Mais vraiment, c'est trop beau. Là, c'est un peu en feutrine. Comment on appelle ça? C'est pas de la broderie. Ben non, c'est pas de la broderie. Bah si, c'est de la broderie en fait. Oh bah, c'est cute. C'est vraiment cute. Le packaging et tout. Hein. Et encore une fois, il y a la certification Studio Ghibli. C'est trop cool. Et tout ça, c'était vendu en lot. Hein. Je vais en sortir une pour voir et pour qu'il le voit. Ah oui, c'est beau. Attendez, c'est d'abord moi. C'est trop trop beau. C'est un crayon 2B. Kiki la petite sorcière, j'ai oublié de dire. Et ça aussi c'est Kiki la petite sorcière. Par contre ça, pas, je vais pas l'abîmer là, mais c'est des, là c'est collé là. Et c'est, ouais, c'est toute la profondeur, ouais. Ouais, c'est toute la profondeur. Là c'est rouge. Puis ouais, il y a les... La bakery, enfin la, comment on dit, la boulangerie de là où travaille Kiki. Oh, il y a Ponyo, mignon. Elle est trop mignonne. C'est pas là, c'est pas ça, Ponyo. Ah, c'est Marie. Oui, c'est Marie, encore une fois. De petites figurines en plastique, j'ai l'impression. Oh, trop cool. C'est trop cool. Lui, il était trop cool aussi. C'est le garçon d'écurie, mais pour les balais. Là c'est le balai de Marie. Lui, ben voilà, c'est, il était toujours là parce que Marie, elle foutait n'importe où son balai. Là c'est Marie, ça c'est son bras droit, parce que les sorciers dans Marie, voilà, ils ont un bras droit, c'est les chats, et elle c'est la méchante. Donc moi je vous ai un peu spoilé là. Mais c'est trop bien fait, j'ai envie de sortir. Oh oui, c'est trop mignon. Je vais sortir Marie, là, c'est sûr. Ah ok, oui, c'est ça que tu disais. C'est, en fait, c'est des... Bon, moi j'ai des gros doigts, là, mais c'est des marionnettes pour... Oh, mais je l'ai mis... C'est des marionnettes pour les doigts. Des petites marionnettes. Et là, il y a Ponyo. Ah, c'est lourd. Et ça, oh non, c'est pas fini. Mais ouais, j'aime ça, bah, les illustrations, et ça fait longtemps que je regarde sans vouloir acheter en fait, parce que j'ai du mal à acheter pour moi, même si c'est des choses qui me plaisent, parce que tant que c'est pas utile, j'achèterai pas. Je pense que voilà, c'est Clément, lui, voilà, c'est ça. Il est là justement pour... c'est lui qui me gâte. Ah, c'est comme un domino, non? C'est pas un jeu? C'est un jeu, hein? Ah ouais, je crois que c'est un jeu, en fait. C'est pas des illustrations. Sauf que, ben voilà, c'est en japonais. En finesse. Ah ok, non, je peux le sortir parce que... Ouais, c'est un jeu. Ah oui, c'est trop joli. Oh, c'est trop bien fait, mon dieu. C'est vraiment de... Au toucher, c'est agréable. En presse... Au toucher, ça fait comme si c'est un aimant, mais c'est du carton, en fait. Je vais vous en montrer quelques-uns. Ah, il faut que je monte. Ok, donc... Là, il y a un petit Ponyo. Ponyo et ses sœurs. Le papa de Ponyo,
la maman de Ponyo, Sasuke et Ponyo. Bon, je vais faire cette pile là, je ferai pas l'autre là. Waouh, Ponyo avec ses petites soeurs qu'elle est en train de se transformer parce qu'elle a mangé elle a mangé de la viande humaine. Oh. Elle est trop mignonne. C'est trop beau. Ponyo et Sasuke. Ça, c'est le papa de Ponyo, je crois. Ou non, non, c'est pas le papa de Ponyo. Papa Ponyo de Sasuke. Ah, ça, c'est d'autres crayons, mais c'est Totoro cette fois-ci. Donc, c'est fou. Oh là! Cette fois-ci, c'est Totoro. Je voulais m'essayer à des Inkstinks, des bâtonnets d'encre que, en fait, toi-même, tu viens fondre. Ben, tu mets un peu d'eau et puis tu viens fondre, tu viens frotter ton bâtonnet dans l'eau et tu viens fondre et tu vas lui donner la couleur que tu veux en fait. Plus tu frottes et que ça fonde, plus ce sera foncé évidemment. Sauf que j'en avais vu un, mais en fait j'avais vu une vidéo où c'était vraiment magnifique. C'est, vous savez, les Japonais c'est très raffiné, c'est très... donc comment ils faisaient le processus et tout, j'aimais beaucoup. Et j'étais attirée par ça et je voulais l'essayer. Et en fait, mon erreur, c'est d'en parler à Clément. Parce que Clément, dès que je lui dis « Oh, j'aimerais trop essayer à ça », ben, il va tout faire pour me l'acheter. Donc, ouais, c'est, ah, c'est, de la c'est les pigments. Ok, c'est les pigments. Mais c'est une vieille boîte, mais elle est belle, la boîte aussi. En fait, là, c'est du pigment. Parce que oui, excusez-moi. Bon, le truc de Instinct, le problème, c'est que il n'y en a plus de très bonne qualité ou il n'en fout plus. Du coup, Clément, lui, il a pris des pigments purs pour que je fasse mon aquarelle moi-même. Bon, après, on a regardé, il faut de la glycérine, il faut de la gomme arabique, enfin, plein de trucs pour faire toi-même. Mais je trouvais ça vraiment cool de faire soi-même. En plus, il y a des couleurs. Oh, les couleurs sont magnifiques. Il y a des couleurs que tu retrouves plus et puis une qualité. Je sais que je suis novice, mais c'est dans la. Je vais vous montrer les plus belles couleurs. Putain, émeraude comme ça. C'est du pigment pur là. C'est. Il faut faire soi-même. C'est correct? Il faut faire soi-même. Oh, putain, ouais. Putain. Un tout petit peu de poudre et ça. Ouais. Faut faire soi-même, c'est. Je suis en train de m'éparpiller, je suis désolée. Et voilà, ça c'est quand même un produit qui est assez vieux. Mais c'est plein, hein, je veux dire, ça n'a pas été utilisé quoi. Je vais vous en faire une vidéo parce que c'est beau à voir la fabrication. Je sais qu'il y en a qui font leur canevas eux-mêmes. Moi je peins pas sur canevas. Pas encore en tout cas. Regardez-moi ce bleu électrique, punaise. C'est vraiment beau. C'est sublime. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est une raison pourquoi il faut me suivre et pourquoi il faut s'abonner à moi, parce que vous allez voir des vidéos comme ça. Je trouve que c'est plus agréable, ça donne plus de valeur aussi. Et c'est ce que j'ai envie. Et puis la qualité est beaucoup plus haute, bien sûr, que ce qu'on achète en tube. Même s'il y a des tubes, Clément me disait, il y a des marques, des tubes qui se rapprochent énormément de la qualité de pigment pur en fait, de la fabrication artisanale. Oh, on touche presque à la fin. Ça commence à être triste. Ça sent le vieux. Ah oui, je sais, c'est ça la calligraphie, ok. C'est le kit de calligraphie. J'ai du matériel de pro, j'ai intérêt à m'améliorer dans mes techniques. Ah, ça c'est... Ouais, attends, on va faire dans l'ordre. Ça c'est des petits, les petits ramequins où j'imagine qu'on fait nos mélanges. Je sais pas si je vais m'en servir pour faire de la calligraphie. Je suis pas forcément très intéressée à en faire. Je vais peut-être retrouver une autre utilité à ça. Mais les pinceaux,
J'adore les crampasseaux comme ça. Ah, les ramequins sont en plastique. C'est bien, je suis maladroite. Mais ouais, j'en ai trois comme ça. Trois ramequins comme ça, donc 6 au total. Là, il y a l'encre. On a de l'encre. Un petit kit d'encre. C'est en plastique aussi. Je pensais que c'était en verre. Ouais, c'est de l'encre, ouais. Ben avec des couleurs primaires. Je ne vais pas déballer. Hein. Je sais pas s'il faut diluer dans l'eau. Non. Hein. Je ne sais pas. Mais non, il y a déjà du liquide dedans. Je ne sais pas du tout. Là. Ça va être écrit en japonais. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, ça c'est vide. Ça, c'est un récipient vide. Je ne sais pas encore. Je suis désolée. Je vais me renseigner, mais ouais, c'est juste un récipient en plastique vide. Ah, peut-être de l'encre noire. Ça, c'est, je crois que c'est de l'encre noire. Ben oui, c'est ce qu'on disait, oui. En fait, ça, c'est de l'encre pour faire peut-être, vous savez, le premier layer, là, le premier le background. Enfin, je sais pas comment on dit. Et ça, c'est pour faire justement l'écriture, la calligraphie. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ouais, c'est pas en bois, c'est un plastique, c'est léger. Mais je pense que oui, ça doit être léger parce que je vois quand ils font, c'est des... excusez-moi, je ne monte pas. Quand ils font, c'est... c'est rapide, quoi. Donc c'est logique que ça doit être léger. Ah, oh, c'est dur. C'est normal. Je sais pas. Je connais pas la calligraphie, mais ouais, c'est dur. On dirait que les poils sont collés. Ouais, ouais, c'est super dur, touche. T'as vu comment c'est léger? Non, je pense que c'est normal, mais... ouais, je pense peut-être avec... Au contact de l'eau, ça doit se décoller, mais... c'est space, hein? Ah, j'ai hâte d'essayer ça. Je vais essayer, je vous le montrerai, bien sûr. Ah mais si, c'est du bois. En fait, je crois que c'est du bambou. Ah lui, c'est du bambou, oui. Oui, je vais le montrer. C'est cool. C'est trop cool. Mais il faudrait pas que j'aime trop parce que je suis en train de me laisser dans... Je suis en train de partir dans tout, en fait. Parce que voilà, moi, je suis intéressée par tout. L'illustration, ça reste... Voilà ce que je vends actuellement avec les stickers. Mais je suis quand même intéressée à toucher un petit peu à tout. Bah à tout, à ce qui me plaît en tout cas. Ah ouais, ah oui. T'as effectivement un tas de feuilles pour faire dessus ta calligraphie. Ah je vais voir si c'est fait en quoi, ça m'intrigue. Que je sais, j'ai l'habitude avec le papier aquarelle, le papier pour mes illustrations qui je rappelle, mes papiers que j'achète pour faire mes illustrations là, c'est du très bon papier de très bonne qualité. Donc j'ai l'habitude avec les papiers quand même assez épais. Oh putain. C'est très léger, très fin. J'ai pas du tout l'habitude avec ça. Comme un papier calque. Ah oh putain, mais il doit en avoir une bonne... Jamais je pourrais remettre ça après. Regardez, on voit à travers et tout. Ouais. C'est du papier aussi fin et que du papier calque, mais c'est pas du papier calque, évidemment. C'est un livret. C'est un livre. Ah, pour faire... Je suis sûre que c'est l'alphabet ou... Oh mon dieu, mais c'est... En plus, je sais même pas comment le tenir. Je pense... Ouais, on tient comme ça. Ok. Ouais, il y a un caractère... j'allais dire... Ok, ça explique. Ah ouais, il y a les stink ink dont je vous parlais, mais là je sais pas si il est vieux, j'ai peur de le manipuler un peu. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Ben, c'est de l'encre, mais en bâtonnet en fait. Et là, ouais.
Ok, bon, donc ça confirme, c'est vraiment de l'encre. Oh, waouh. Oh, il y a des... Ok, vous voyez, on peut pas... Il n'y a pas que la calligraphie... Je sais pas si ça s'appelle la calligraphie aussi, les dessins comme ça. Pour moi, la calligraphie, c'est les écritures, là. Ouais, donc ce côté vieux, et ça donne... Oh, c'est beau. Oh, punaise, regarde-moi ça. Je suis impressionnée parce que je sais comment ils font et je sais que c'est des gestes rapides et ça donne ça, mais il doit avoir une précision dans la pression du truc, la rapidité du truc qui fait que... Et là ça t'explique, je vois qu'il y a des numéros, ça t'explique, mais bon, moi je ne lis pas le... Oh, regardez. Jamais je vais être capable de faire ça, c'est... À part si je regarde des vidéos. Les petits poissons. Vous voyez, vous avez le côté explicatif et le côté. Je suis trop contente. Je suis trop contente, c'est vraiment beau. Et ouais, c'est des choses de très très bonne qualité. Tu peux voir? C'est des choses de très très bonne qualité, donc je vais m'en servir précautionneusement. Vous voyez, on voit que c'est quelque chose de qualité, enfin, c'est dingue. Et ce que je disais, oui, c'est que ça rajoute de la valeur. En tout cas, pour moi, ça rajoute de la valeur. Donc, je pense que je vais sortir une vidéo. Peut-être que je vais sortir une vidéo, je sais pas. Oh, les animaux, mais regardez-moi ça, mon Dieu. Oh punaise, et regardez, en fait, ah mais non, en fait, je sais pas si on peut dessiner ou c'est les signes. Je pense qu'on peut dessiner, moi je suis certaine, ouais. Ah, je pense que c'est les signes que ça représente. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, oui, non, tu peux pas dessiner, c'est... Là, c'est comment on écrit le singe ou... Ok. En fait, je vous dis des conneries depuis le début. Mais de toute façon, vous savez, je découvre avec vous. Donc. C'est bizarre que, tu vois. Non, je pense qu'on peut dessiner. Ouais, parce que je suis désolée. On découvre en même temps que vous. Mais oui, parce qu'il y a des étapes et tout aussi. On peut dessiner, donc on peut faire ça. Oh, c'est trop cool, c'est trop génial. Merci chérie, c'est vraiment génial. Je sais pas si je vais réussir à le faire, mais déjà l'essayer, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose et j'espère que vous serez là pour voir ça. Je sais pas si je vais faire une vidéo où je vais montrer la première fois que j'utilise ça ou si j'attends de bien évoluer et je vous ferai des vidéos de qualité parce que c'est sûr que la première fois que je vais faire ça, ce sera pas un dessin super joli dessin quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est une boîte, elle est légère. Non, il n'y a plus rien, chérie. Il manque des trucs, tu penses? Ah, il manque un truc. Oui, elle est trop belle, regardez. C'est qui? C'est le chat dans Kiki, la petite sorcière. Trop joli. Mais elle est légère, c'est quoi dedans? Elle est extrêmement légère. Oh, trop mignon! De petites linges, des petites serviettes. Trop mignon. Je vous montre comme ça parce qu'après quand je vais l'enlever, je vais plus pouvoir le remettre comme ça. Il est trop mignon. Bon, ben j'aurai du linge. Hein. C'est trop joli. C'est vraiment girly, hein. Oh, c'est trop mignon. Comme je vous ai dit, je n'utiliserai pas. C'est sûr que je n'utiliserai pas. Mais c'est trop joli. Et le deuxième, oula. Oh oui, il est beau. J'aime bien celui-là aussi. Un tout petit peu moins girly, mais quand même.
Et pareil, c'est brodé là. C'est vraiment. Là, non, c'est quelque chose dans le tissu là, mais. C'est trop joli. Vraiment. J'aime trop. Bon. Ben voilà, donc maintenant je vais aller ranger tout ça, les retrouver à chacun leur place. Peut-être même qu'il y en a. Ah oui. C'est trop mignon. Peut-être même qu'il y en a que je déballerai pas parce que, comme je dis, on est dans un tout petit studio. La boîte est trop là, je la garde. On est dans un tout petit studio et c'est pas définitif là. On a pas de meubles, on a rien parce qu'on sait que on va déménager dès que notre bail sera fini. Donc pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester dans leur emballage. Donc maintenant, je vais faire un gros bisou. Un gros bisou, mon chéri. Bisous. Merci, chéri. Et bon, ben, j'espère que vous avez apprécié le petit haul. Et c'est ça. Donc oui, j'ai été très très gâtée. Donc je vais ranger tout ça. Bye. Le vieux japonais. Ça sent le vieux.